Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si en ce moment tu cherches un casque gaming pas trop cher pour jouer à la Play, à la Xbox ou au PC, et bah t'es tombé sur la bonne vidéo parce qu'aujourd'hui je vais regrouper 5 casques gaming pas chers que tu peux trouver sur Amazon à des prix franchement très raisonnables. Évidemment, j'ai pas choisi ces 5 casques au hasard, je les ai pris en fonction de leurs notes avec les étoiles, puisque sur Amazon il y a un système d'étoiles. Si tu mets 5 étoiles, le produit est parfait. Si tu mets 4,5, 4, 3, en gros tu notes le produit. Donc j'ai choisi 5 casques et aujourd'hui je vais vous le présenter dans la vidéo. Évidemment, si un des casques te plaît, il y aura le lien dans la description pour aller l'acheter sur Amazon. Juste avant que la vidéo commence, comme d'habitude, on va lire 2 ou 3 commentaires qu'il y a eu sur les vidéos précédentes. N'oublie pas toi aussi de lâcher ton commentaire pour passer dans la prochaine vidéo. Premier commentaire, à quand une FAQ? Une foire aux questions, en gros, j'en ai pas prévu dans les prochaines vidéos, mais si vous voulez que j'en fasse une à l'occasion des 500 abonnés, il n'y a pas de problème. Dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo, et si jamais vous êtes tous d'accord pour faire une FAQ, et ben c'est parti, j'en ferai une. Juste, si vous êtes chaud pour faire une FAQ, je vous mettrai mon snap juste là, pour que vous puissiez m'ajouter et poser les questions sur Snap, parce que je vais pas faire une vidéo avec FAQ pour que vous posiez les questions sur cette vidéo et ensuite refaire des lignes. C'est compliqué. Du coup, suivez-moi sur Snap, comme ça vous verrez mes stories déjà, parce que je fais beaucoup de stories. Et en plus, au bout d'un moment, je mettrai une story qui dit fort aux questions, posez toutes vos questions et après vous passerez obligatoirement dans la vidéo. Voilà pour à quand une FAQ, j'ai répondu. Deuxième commentaire, j'aime bien. Il a juste mis j'aime bien, comme ça, j'aime bien. Troisième commentaire, trop bien ta vidéo, StoneyZ, merci poto, t'inquiète. Ouais. Et un commentaire qui date de la vidéo des 500 abonnés où je vous avais mis justement le concept de prendre vos commentaires. Un gros GG pour tes 500 abonnés, un grand bravo, continue à nous faire kiffer avec tes vidéos, ne lâche rien, tu vas très vite atteindre les 600 abonnés, longue vie à ta chaîne. C'est un très 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 beau commentaire. Voilà pour mes commentaires, maintenant on va directement passer au casque gaming. Juste après l'intro, dès que je vous mets une intro, dès que la musique est faite. Premier casque de la marque Nubo, c'est le Nubo U3. Donc de la marque Nubo, j'ai déjà un casque qui est juste là. Je vous le montre rapidement, voilà. Je l'utilise depuis quelques mois et ça me va très bien, je l'utilise tous les jours, j'ai des fois un petit peu mal aux oreilles. Mais bref, si vous voulez une vidéo complète sur ce casque, et ben, je vous mets le lien d'une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois aussi, quand je l'ai reçu. Le lien sera dans la description, n'hésite pas à aller la voir. Je vous présente le casque et tout ça, je fais un détail complet sur ce casque. Donc voilà, la marque Nubo, je connais. Après le Nubo U3, je connais pas du tout. Mais il est noté 4,5 sur 5 étoiles, et le prix de 22,99€, c'est super raisonnable. Un casque à 22€, c'est assez rare. Et il y a deux couleurs, il y a en noir comme ça et il y a en rouge. Il y a deux couleurs, donc c'est cool, je vous mettrai les deux couleurs. T'as le noir ici et t'as le rouge ici. Voilà, donc selon les goûts, moi perso je le préfère en tout noir. Donc évidemment il va sur PS4, PC, Mac, PS4, Xbox One, Android, iPhone, il va sur tout. Donc c'est nickel. Et les 5 casques que je vais vous présenter, ça va être ça à peu près, hein, je pense. Deuxième casque, c'est encore un Nubo. Un Nubo N7 qui va également sur toutes les plateformes. Le PC, le PS4, les Xbox, tout. J'ai pris un accent de blader, je sais même pas pourquoi. Il est noté 4,5 sur 5, c'est encore une très bonne note. Et celui-là, il a l'air un tout petit peu mieux que le précédent parce que il a l'air d'être assez plus confortable au niveau des oreilles. Le prix, il est un petit peu plus cher, 27,99€. Et sur ce casque-là, il y a un truc que j'ai également sur le Nubo que moi j'ai. C'est que au-dessus, là, le arceau, il est en fer et il est au-dessus. C'est-à-dire qu'en gros, il s'adapte comme ça. Il n'y a pas de... Tu peux pas, tu vois, tu peux pas tirer comme sur les autres casques. Mais là, tu peux le mettre et c'est beaucoup mieux. Je préfère comme ça. Il est vraiment super et ça fait pas du tout mal au crâne. Parce qu'il y en a qui font un peu mal au crâne. Mais celui-là, pas du tout. Vous, à mon avis, vu que c'est la même marque et le même concept au niveau de l'arceau, et ben, ça doit être très confortable. Et de plus, ce casque-là, il doit être vraiment parfait parce qu'il a l'air d'être très confortable. Il doit bien prendre la forme des oreilles. Il a l'air assez large. Je regarde là-bas parce qu'en fait, j'ai mis la photo sur mon PC. Ok. Donc voilà, 4,5, 27,99€. Nubo N7, il a l'air très très bien. Troisième casque, un casque de la marque Onesun. Je ne connais pas du tout, je ne connais pas. 27,99€ encore une fois, 5 étoiles. Aucune idée de pourquoi il a eu 5 étoiles et pas les autres. Parce que celui-là, pour ma part, il a l'air un peu moins confortable
que le Nubo qu'on a vu juste avant, le Nubo N7. Peut-être je me trompe parce que je l'ai pas du tout essayé, mais il m'a l'air un peu moins confortable. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi je fais cette vidéo alors que je vous présente juste des casques, et ben justement, c'est le principe de la vidéo. Je vous présente des casques qui m'ont l'air bien pour ma part et je vous les présente au cas où. Celui-là, je dis pas qu'il est nul, mais il a l'air un peu moins bien. Surtout pour le même prix, je prendrais plus le Nubo N7 que celui-là parce que c'est le même prix et il a l'air beaucoup plus confortable, le Nubo N7. Après, si vous aimez bien les casques qui font de la lumière, ça dépend carrément des styles, des goûts et de la recherche de ce que vous voulez en fait. Mais sinon, il a l'air pas dégueu, il a pas l'air d'être inconfortable, je sais pas si ça se dit, mais il a pas l'air d'être inconfortable. Donc oui, il peut être pas mal. Je préfère le Nubo N7, mais il peut être pas mal celui-là aussi. Quatrième casque, on passe au Empow EG3. Je ne connais pas cette marque encore une fois, je connais que le Nubo. J'ai choisi ce casque parce que déjà 28,99€, il est encore dans le même à peu près prix que les autres, il est juste 1€ plus cher. Au niveau du arceau qu'il y a juste là comme sur l'autre Nubo, il a l'air un peu moins confortable parce que c'est pas de la mousse, c'est du plastique qu'il y a. Et ça a pas l'air très très confort. Mais sinon au niveau des oreilles, le contour des oreilles, eh ben, il a l'air de bien prendre la forme des oreilles et d'être assez confortable. C'est de la mousse, ça a l'air en tout cas d'être de la mousse. Et il se branche en USB, donc un peu relou quand même pour ceux qui jouent à la PS4 et la Xbox One. Cinquième et dernier casque que je vais vous présenter, c'est un Empire Gaming H1100. Et je t'ai donné le code Wi-Fi de chez moi. Celui-là, je l'ai pris par rapport à son prix parce qu'il fait que 19,90€ et c'est vraiment un prix super raisonnable pour un casque. 4,5 sur 5 en termes d'étoiles. Il est compatible PC, PS4 et Xbox One. Il existe en deux couleurs, en bleu et en rouge. Mais sinon, il est vraiment pas cher pour ce que c'est. Je trouve qu'il a l'air bien, assez confortable. Après, on peut pas trop en demander parce qu'il est vraiment pas cher. Il a l'air plutôt raisonnable pour son prix. Voilà, je vous ai présenté 5 casques qui pour moi étaient très bien en termes de rapport qualité-prix. Il y en a qui étaient beaucoup plus chers que d'autres. Il y avait une différence de 10€ entre le plus cher et le moins cher. Donc je trouve que ça va, ça reste raisonnable. Entre 20 et 30€ un casque gaming, ça reste très raisonnable. Putain, j'ai l'impression de faire un truc, tu sais, le téléachat du matin. J'ai l'impression de faire ça, mais avec des casques. N'oublie pas de mettre ton commentaire aussi pour passer dans la prochaine vidéo comme j'ai fait en début de cette vidéo là. Donc voilà, comme d'habitude, tu connais ta mission, liker, commenter et t'abonner pour m'aider à évoluer dans le YouTube game. Et nous on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao.